Choco, Choco, t'es où? L'émission va commencer. Ouais, j'arrive. Non, mais tu veux t'habiller? Habille-toi. Comment ça, m'habiller? Bah, vous t'habiller, tu peux pas rester comme ça. Moi, je suis habillée, va t'habiller. Non, mais ils ont dit venez comme vous êtes pour l'émission. Hein, vous avez dit venez comme vous êtes. Non, voilà. Non, tu vas t'habiller. Dites-lui d'aller s'habiller, s'il vous plaît, parce que sinon je vais partir. Va t'habiller. Mais ils ont commencé à tourner, ça tourne. Non, je peux rester comme ça. Non, ça tourne pas là. Non, vous coupez. Hein. Non, tu vas t'habiller. Mais j'ai chaud. Mais non, mais je m'en fous, tu vas t'habiller. Moi aussi j'ai chaud, là, il y a les lumières, il y a tout. Tu vas t'habiller. S'il te plaît, va t'habiller. J'ai gardé la montre, je m'en fous. Je m'en fous, non. Non, c'est pas une tenue, ça, une montre. Va t'habiller, s'il te plaît. Mais je suis bien comme ça. Va t'habiller. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Aurore. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée parce que je reviens de Singapour. Je suis souvent envoyée en mission là-bas puisque c'est mon travail. Et c'est pour ça que je ne vois pas souvent mon Choco. Moi, c'est Tanguy, je suis humoriste, danseur, réalisateur, graphiste. Je travaille aussi dans le périscolaire. Je suis camionneur, je suis cuisinier, je suis serveur aussi du même restaurant. Je fais des graffitis sur les murs. Qu'est-ce que je n'ai pas... J'ai oublié quelque chose, non? Je sors les poubelles. Je sors aussi les poubelles. Oui. C'est ça. C'est ce qui fait de mieux. Et c'est ce que je fais de mieux. ça fait déjà un moment. Non, ça fait une semaine. Ah, c'est tout? Ouais, ça fait une semaine qu'on est ensemble. C'est juste qu'en fait, on a l'impression que ça fait 10 ans parce qu'on a fait le premier jour ce que les gens font en 3 mois. C'est vrai. Voilà. Nous, on s'est vu le premier jour, on a tout fait. C'est ça allait très vite. Hein. C'est ça. En fait, c'est court, mais à chaque fois, c'est intense. On a fait des crêpes toute la nuit et c'était bien. On pouvait plus. Il y avait de la farine partout, sur nous. Sur toi, il y avait beaucoup de farine. Oui. On peut passer la question, si ça ne vous dérange pas? Oui, s'il vous plaît. Je pense que c'est mieux. Ah ben, moi, je lui ai proposé qu'on emménage ensemble. C'est ça. C'est incroyable que tu me proposes ça, d'ailleurs, de m'accepter comme ça dans ta vie, qu'on vive ensemble dans notre nouvelle maison. Ouais. Si vite, quoi. Enfin, c'est ça. Bon. Au début, je croyais que j'étais vraiment une merde. Hein. Mais que tu me proposes ça et qu'on vive vraiment ensemble, qu'on prenne une maison, toi et moi, là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, je suis vraiment une grosse merde, quoi. Non. Ouais, si, quand même. Non. Sinon, je t'aurais pas demandé comme ça aussi rapidement, tu vois. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Fallait que je te demande. Non, mais parce que dans l'état où j'ai vu ton appartement l'autre jour, il y avait de la merde un peu partout. Moi, j'avais l'impression que... Ouais, et moi, j'ai proposé qu'on fasse comme Amandine et Alexandre Pélissard. Donc, on se filme tout nu pendant qu'on fait nos affaires et on gagne de l'argent. Voilà. C'est quand même 50 € de l'heure. Hein, et ça peut monter, ça fonctionne de la clientèle sur les réseaux sociaux. Voilà, on se montre tout nu et puis on gagne du fric. Ouais. Bah non. T'es toujours pas d'accord, t'as pas envie qu'on le fasse. On peut gagner plus que 50 € de l'heure. Hein. T'es pas jaloux? Il n'y a aucun travail en France qui te donne ça. Hein. C'est... T'as bien réfléchi, là. Oui, j'ai réfléchi, c'est non. En plus, j'en ai parlé à ta mère, elle est d'accord. Non. Si, j'ai proposé à ta mère, elle est d'accord. T'as pas demandé à maman, quand même. Si, elle ne t'a rien dit? Bah non. Ah ouais. Oui. Ah ouais. On est... Non, nous on adore ça. Enfin, je pense qu'on est même plus que romantique. Ah oui, oui. Non, ah ouais, mais nous aller à Rome, c'est... Mm. Ah oui, faut qu'on y aille. C'est notre truc. Hein. Ah oui. On va à Rome et puis on est antique. On n'est plus très jeune en fait. Ah, vous voulez vraiment savoir ce qu'on fait dans nos moments romantiques? Voilà la question, quoi. Attends, ils sont pas prêts là? Bah non, mais... Vous voulez vraiment savoir ce qu'on fait? Ouais. On leur dit? On leur dit, on leur montre? Ah ouais, s'il vous plaît, faites partir les enfants. S'il y a des enfants qui nous regardent, faites partir les enfants parce que là, ça va déménager. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, allez, on leur montre. Non, mais t'es sûr de toi? Tu veux vraiment leur montrer ce qu'on fait? Oui, ça va, on peut leur montrer ça. D'accord, bah ça n'engage que toi. Hein. Ok, allez. Non, mais non, c'est notre intimité. C'est notre intimité, allez, tu vas pas leur montrer. Si, allez, regarde. Ah. Allez, je leur montre. Voilà, montre, c'est pas. Je montre. Ah, je peux faire? Allez, je voulais faire. Bah non, la prochaine fois. Mais pourquoi c'est toujours toi qui fais? Je voulais faire, moi, cette fois. Oui, mais j'aime bien. Oh. Tu gâches tout à chaque fois. Oh. Voilà, c'est comme ça qu'on s'envoie en l'air.
C'est ça, on fait des avions et on, et on les balance. Ça rappelle un peu notre enfance. Non, je pense qu'on va arrêter de les prendre pour des cons, on va vraiment leur Ouais, dire ce qu'on fait. vraiment. Vraiment, vas-y, c'est bon, Bah c'est alors, parti. je leur montre parce que c'est quand même quelque chose que j'ai régulièrement sur moi en fait. Enfin, Ouais. c'est mon truc Ouais, fétiche quoi. c'est Hein? ça. Je peux? Ouais, allez. T'es sûr de toi, Oui, enfin ça va, hein? Ok, vas-y. c'est pas se mettre nu quoi. Vas-y, Hein? montre. Vas-y, montre. Tadam! Et tadam! En fait, elle joue à la voleuse et moi je joue au gendarme. C'est ça. Donc elle court dans le salon et moi Oui. bah, je lui cours après et je fais pa 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 pa. Après elle se cogne et elle tombe. Aïe. Ah, bon. Après, c'est censuré. Oh Alors, ben, c'est moi. c'est lui. Allez. Complètement. Et en plus, on est conscient de ça, que voilà, c'est moi, je m'investis beaucoup, beaucoup dans cette relation. Elle passe presque pas. Et on est conscient de ça parce que je l'aime. Je l'aime vraiment. Je profite vraiment de l'occasion pour te dire, Aurore. Si, je vais le dire, que je t'aime. Je t'aime vraiment. Je t'aime de tout mon cœur, Aurore. Pour moi, t'es la première de toutes les femmes de ce monde. Des fois, tu sais, les trains SNCF, ils sont en retard, mais moi, je suis toujours à l'heure parce que je t'aime. Le train, il avance, mais moi, je sors du train, je me mets à courir et j'arrive à l'heure. Parce que je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime comme un fou! Comme un soldat! Aurore, c'est toi que j'aime! Voilà, c'est comme ça que je couche avec elle tous les soirs. Voilà. Et je vous conseille de faire autant, d'ailleurs, de faire pareil, hein. De créer une situation et ensuite, la suite sera toujours belle. Ouais. Voilà. Bienvenue dans notre ménage. Bienvenue dans notre ménage, le grand ménage.